écoute, nous sommes présentement au bureau provincial de l'AVP Nord-Kivu pour venir recevoir et dire bienvenue à un nouveau adhérent, un nouveau membre que nous venons de recevoir aujourd'hui, un grand monsieur de la ville de Goma. Il s'appelle Serge Mbala, qui a décidé de venir soutenir l'idéologie du patriotisme que prône le grand parti Action des volontaires pour la relève patriotique AVP à Sibiu, les partis chers à son excellence Moïse Nzangi Mutondo. Et nous sommes vraiment heureux de recevoir notre camarade Serge Mbala, qui était militant du MLC, et il a aujourd'hui décidé de venir soutenir l'AVP et adhérer à TAC et MAM officiellement. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici à pareil moment. Pendant cette période électorale, qu'est-ce que vous attendez de lui? En fait, nous avons besoin de gens qui vont venir adhérer dans notre parti pour que nous puissions conquérir l'électorat ici à 2023. Vous savez, on a toujours voté les partis après les élections. C'est pourquoi nous voulons à tout prix gagner beaucoup de sièges ici au Nord Kivu et même à la République démocratique du Congo pour que nous soyons parmi les plus grands partis dans ces pays. Le futur après, je sais dire, le présent. Vous dites que non, c'est le moment que nous devons faire une révolution réelle. Son Excellence Moïse Nzangi nous a prouvé de quoi il est capable. Parce qu'il est parmi les ministres, j'ai dit parmi les ministres, qui ont fait preuve de leur bravoure et de leur capacité. Quand il était candidat, comme candidat gouverneur, les gens disaient que non, Moïse Nzangi n'a jamais gouverné, n'a jamais si exécuté une gestion. Mais dans une année, dans deux ans, il a fait preuve de son excellence, de quoi il est capable. Ce qui nous a motivé de plus, c'est par rapport à l'idéologie de ce parti-ci, l'AVP. Et comme on dit, c'est une action et nous devons contribuer à cette action-là. Je suis venu pour soutenir l'excellence Moïse Nzangi parce que moi je me considère comme quoi c'est un futur leader, pas seulement de cette province, mais de cette république. Et je suis venu donner un coup de pouce par rapport à cette évolution. Celui qui m'a motivé de plus, c'est Stéphane Mati. Nous pouvons tirer un coup de chapeau à lui parce qu'il a réussi à me convaincre. Ce n'est pas lui qui m'a convaincu, mais surtout, c'est son excellence qui m'a convaincu. Moïse Nzangi. Merci. Dieu merci aujourd'hui à la Verbe. Ne pensez-vous pas que la place que vous occupez, une place très considérable au sein du MLC aujourd'hui, simple membre à l'AVRP, ne pensez-vous pas que vous avez rétrogradé ou soit vous avez reculé un peu? Les diables au paradis, il était le premier ministre, mais une fois qu'il était rejeté, et il est condamné à mort. Moi, je ne peux pas être ici. Merci. Merci.